Voilà, bonjour de nouveau. Donc, on va montrer maintenant comment on fait pour s'inscrire dans un concours. Donc, l'architecte ouvre le site web. Le site web. Soit directement dans Line, il le parcourt des concours existants. Voilà. Donc, on choisit notre concours. On peut télécharger ensuite l'application. On peut télécharger le document. Si un document mentionné, ainsi là, les détails. Et voilà, s'il est intéressé, donc, il tape sur ma technique, m'a dit que c'est intéressé. Voilà. Si vous voulez taper une autre fois, vous déjà inscrit. Donc, vous faites une seule fois l'inscription. Une fois elle a terminé, vous pouvez maintenant ouvrir son espace. Donc, on a la page d'animer. Ouvre son espace. C'est normal, c'est. Voilà, normalement. Donc l'architecte choisit l'espace concours. Il n'y a pas ici des informations. Voilà, ici. On a une notification, les informations de régler le paiement de ce concours. On peut ouvrir, voilà, ceci. Sinon, il y a soit un email, voilà. Donc là, ici, un email. Pour déclencher la participation. Sinon, l'architecte passe pas par là, il clique ici. Voilà. Il va approuver. Donc maintenant, il va confirmer l'inscription. Il peut inviter un architecte, par exemple, l'architecte sur Nebel, je cherche un architecte, inviter un ami, voilà, close. Donc il peut payer bien sûr. Ou bien laisse l'architecte invité à payer son pack, donc il peut payer à partir de son solde. Voilà, donc automatiquement il a eu un document d'inscription, l'attachement, il peut consulter ce document. Une fois il a terminé tout ça, il confirme et on voit, et automatiquement il doit payer à partir de son solde. Et Shift, c'est déjà mon compte. Mouvement de mon solde, on va passer ici. Il y a paiement de maintenant, on a payé. Destinat, 16 janvier. L'autre n'est pas inscrit. Non, il a de doit il doit vérifier. Il a payé donc maintenant le 16 paiement au concours piscine Destina. Il y a un autre paiement aussi Destina. Chargement de mensonge en ligne, on ne peut pas chercher. Fait mouvement de mensonge. Il y a 10 et 10. Donc, à payer. Voilà, qu'est-ce qu'on attend ici? Donc, une fois il a validé le paiement, il va participer. Il a un autre participant avec lui, un seul participant. Le montant payé de son pass, c'est Destina. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va? Ici, voilà, c'est notre document. Donc, il a payé Destina ici et 2 dinars ici. Donc, le montant total payé, c'est 20 dinars. Sinon, normalement, il reçoit un email.
La forme de la clé de paiement et sa pièce technique. C'est déjà, nous sommes dans cet document, le paiement est réglé. Voilà, la pièce technique existe ici. Cette partie est un peu spécifique, donc juste en le prend un peu. Une fois qu'il a payé, il passe directement ici. Qu'est-ce qu'on a dans cette étape? On a deux choses, c'est-à-dire des dépenses techniques. Dans cette étape, Haysom, c'est l'architecte principal. Il a invité un autre architecte, Majdi Zik, dans sa scène. Voilà. Il y a des pièces de description ici, là, pièces techniques ici. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est générer l'attestation. Générer l'attestation pour l'ajouter dans son dossier. L'attestation, c'est voilà, Micom, l'architecte et automatiquement signé. Sinon, si on a besoin d'une pièce de pièce papier, moi doit contacter l'OAT pour récupérer la pièce papier. Donc voilà, maintenant il a confirmé notre participation. On attend le résultat. Voilà, attend le résultat. L'architecte dépose ceci et attend le retour, bien sûr, de la part du service pour le concours. Voilà, comme ça, on a fini la partie concernée l'inscription dans un concours. On va passer dans notre vidéo pour présenter comment se fait le process chez le département de service de concours dans l'OAT. Merci pour votre attention. En attendant la prochaine vidéo, vous explique le service de concours chez l'OAT. Merci.